Roger Pradier, nous créons, nous concevons et nous fabriquons des éclairages extérieurs pour l'habitat et le petit résidentiel. C'est une entreprise qui est centenaire, elle a été créée en 1910. On propose 60 collections différentes qui vont du plus classique, hein, donc qui retracent notre histoire de la lanterne 4 faces jusqu'à aujourd'hui où on est dans le design. Donc la partie design est importante parce qu'aujourd'hui c'est ce que les gens vont acheter, ils vont se fier d'abord au design avant la partie technique, mais nous on n'oublie pas cette partie technique qui est très importante. Ça raconte une histoire, c'est-à-dire que l'installateur qui va prendre le produit va voir qu'il a été pensé pour lui. Ce qui importe chez Roger Pradier, c'est une réelle maîtrise d'un savoir-faire. Aujourd'hui, on a formé des jeunes en interne, une transmission de ce savoir par les anciens, parce que ce sont des métiers qu'on ne trouve plus sur le marché du travail et qui nous permettent vraiment de faire cette différence. On a des fournisseurs voisins, hein, on s'approvisionne très, très près d'ici. Hein. On a un extrudeur aluminium qui se trouve sur Châteauroux même. Nous avons des fournisseurs de verre qui vont découper nos verres juste à côté, ce sont aussi des voisins. Donc voilà, l'objet c'est aussi de faire travailler, je dirais, les productions françaises. Nous avons un engagement de 25 ans contre la corrosion sur nos produits. Un produit qui sort de chez nous, il est contrôlé à tous les stades, je dirais du premier composant jusqu'à l'assemblage, l'électrification. Et chaque personne a vraiment le respect des produits qu'il fabrique. Et dans ce sens, chaque produit qui sort a zéro défaut.